Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première vidéo du hangar. Comment allez-vous? Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez bien vu au titre, vous l'avez bien vu à la miniature. Je l'attendais genre comme ça, tu vois, ça c'est mon attente. Oh mec, oh, en vrai putain, ouais j'ai senti mon sang, genre se charger au plus haut point. Eh, faites pas ça chez vous, je vous jure, ça fait trop mal, ça prend pas d'années que je le fais. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va construire une maison Minecraft. Il y a zéro blague. Ça fait maintenant un mois qu'on prépare cette vidéo. Là à ma droite, vous le savez pas encore, vous l'avez peut-être potentiellement dans vue dans ma vidéo présentation hangar, parce que j'ai un peu teasé comme ça, ça m'arrive des fois de teaser. Ouais, t'es insupportable. On est qu'à 30 secondes de vidéo, je casse déjà les couilles aujourd'hui. Les cubes ont été très longs à monter et ils étaient aussi très chers, les bâtards. Hein, on va pas se mentir, ça en valeur. Hein, ils étaient... Ouh ! Cette vidéo va pas être rentable. Voilà. Mais putain, merde ! Là maintenant, vu qu'on est dans le hangar, je vais m'en servir à H24. On va faire aussi 45 vidéos sur les trucs Minecraft aussi, je pense. Vous le verrez sur le long de la vidéo. Si vous avez des idées, vous pouvez me dire en commentaire. Ok, je vous montre tout de suite les cubes, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, let's go! Cette idée de vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue aux États-Unis. Je l'ai volée. Non, cette idée de vidéo, vous l'avez sûrement vue aux États-Unis ou pas forcément, peu importe. Déjà, premièrement, vraiment, là je parle honnêtement, mais vraiment 100% net. Ça me fait kiffer. Je suis un putain de gamin, ça je pense que vous le savez maintenant. Et que forcément, construire une maison en cube Minecraft, gros, bien sûr que je veux le faire. Et je vais pas ne pas le faire parce que quelqu'un l'a déjà fait. C'est un malade, suivez-moi. Bref, du coup, le concept de base, je crois qu'il vient de chez Unspeakable. C'est un youtubeur américain qui avait déjà fait le concept. Voilà, je le crédite parce que bah ça vient quand même de chez lui. Je suis pas comme un bâtard en mode. Allez, on va poser des cubes et on dit à personne que c'est le concept. On a acheté plein de cartons et ensuite du coup on a collé plein d'adhésifs dessus. C'est pour ça que c'est revenu cher et que deuxièmement c'était chiant, c'était très long. Si jamais vous kiffez la vidéo, n'hésitez surtout pas. Genre là vous êtes devant l'écran, à aucun moment vous hésitez à mettre un pouce bleu. Vous le mettez directement comme ça. Là on est en freestyle et vous le savez, première vidéo du hangar. En fait je fais ce que je veux. Ça qui est bon. Je pissais par terre. Là du coup on tourne ça dans le hangar. Derrière, vous avez vu que ça a déjà bien changé par rapport à la vidéo présentation. Vous verrez tout ça dans les vidéos de l'évolution du hangar qui sortiront la semaine prochaine. Ça sortira mardi et samedi. Mardi prochain, mettez une alarme hein, tout de suite. Mardi 18h, boum, une alarme ici. Mardi 18h, hop, les notifs. Il est ouf, quoi. Insupportable. Attends, du coup il m'en reste un, c'est ça? Waouh. Hop là, hop, je prends mon carton. Ah ouais, c'est vrai que moi je suis tellement plus à l'aise avec le gaffeur classique. Non mais c'est le but du... Le but c'est que tu mettes et que tu... Et tu donnes un coup sec. Alors imaginez comme ça là, sans cube. Allez hop, on retourne. Je retente. Non mais il y a un problème là. Bah c'est pas grave, au moins c'est fermé. Ah bah au moins là voilà quoi, là c'est là. En fait on a reçu tous les adhésifs comme ça là. Voilà, la partie de plaisir que ça a été pendant 2 jours. Ça fait déjà 15 secondes que je suis en train de me faire chier à essayer de choper la merde, tu vois. Super! Hop là, voilà, ça c'est du travail d'artiste. Ah oui, ouais, ça j'avoue. Et n'empêche, regardez la qualité des textures comme ça, quoi. Bon, là on est de très près, on n'a jamais vu des cubes Minecraft aussi près dans notre vie. Hein. Que vous n'êtes pas tous de Minecraft, vous n'êtes pas tous des Minecrafters, vous. Mais vous inquiétez pas, vous allez. Des Minecraftiens. Oh, ça sent tellement bon! Quoi? Déjà, tu l'as. Tiens là. Comment ça, je. Oh putain! Il bégaye! C'est bon, ce matin! Ok, c'est bon. Non, mais attendez, je suis sûr, là, il y en a dans qui regarde la vidéo, là. Me faites pas passer pour un malade. On est d'accord qu'il y en a qui sentaient un peu leur protège-cahier en cours. À l'époque, là, quand j'avais des nouveaux protège-cahiers, j'étais en mode. C'était long! Bah, tu sais quoi, je vais te payer en protège-cahier maintenant. Alors, ça, peut-être pas non plus. Ça, moi. Oh là là. Bah, non. Oh non. Comment on fait quand on fait un code avec le. Ah non, bah là, c'est terminado là, non? Non, c'est bon. Putain, ça me fume. Ah, va être belle cette tête de craft. Non, mais à chaque fois. Ah non! Là, pour le coup, là, si vous pouvez mettre un pouce bleu là pour tout le travail qu'il y a, vraiment. Je vous jure que là, je serais tellement content de me dire merci les gars. Oh putain, mais pile-moi cet établi dans les mains là. Putain, mais regarde-moi cet établi là, comme il est incroyable! Wow. Ça, dans Minecraft, c'est un établi. Maintenant, le concept il est établi. J'ai pris une brindille et 3 cailloux, et normalement, c'est comme ça qu'on fait une pioche. Regarde, tu vois, ça fait. Non, faut 2 brindilles. Hein. Ouais, 2 brindilles. Alors, normalement, il faut faire. Hop, faire un caillou ici, un caillou ici, un caillou ici, une brindille ici, une brindille ici. Là, ça fait une pioche, là, on est d'accord. Pioche! Oh non! Putain, mais quel acting de merde, c'est incroyable! Fallait pas me mettre ça devant moi, je suis très fébrile devant les cubes. Hein. Oh wow. Ma pioche. Oh, c'est trop satisfaisant mec. C'est incroyable. Bon, on va commencer notre vidéo. Regardez le coffre comme il est trop stylé. Ah merde, oh, putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. J'avais zappé. T'as dit quoi mon pote? Non mec, là, il faut que j'éclate quelqu'un.
C'est plus léger que toutes les constructions que j'ai pu faire. Mais il y a quand même pas mal de cubes. Là déjà pour le moment, pour commencer, on va commencer à faire des petites structures. Juste voir un peu comment les cubes ils se mettent entre eux là, comme ils sont mignons les cubes. Alors aux États-Unis, eux, leurs cubes ils sont directement imprimés sur les cartons. Mais nous au moins c'est du fait maison. Ouais, nous c'est du fait maison. Hein. Inch'Allah, un jour il y a syncopé sur la même vidéo et là potentiellement peut-être que j'achèterai directement des cartons. Au niveau des blocs, on a des planches, on a de la cobblestone, on a aussi des vitres. Et dans tout ce qu'il y a là, il y a deux blocs cachés. Là, je regarde juste pour la base. Hein. C'est pas, ça va pas être un truc définitif. Au moins pour faire un premier test, un petit peu. Genre, j'ai fait une toute petite maison. Ouais, j'avoue, c'est trop con. Hein. Je commence la cabane que Bob Lennon et Fanta m'ont appris dans les tutos Minecraft numéro 1 en 2011. Ouais, ça me met un petit coup au moral. Mais du coup, j'avais deux techniques. Creuser dans la grotte, comme ils disaient. Ou soit, voilà, c'est de la planche. C'est pas de la bouse. Mais la bouse, on n'allait pas prendre de la bouse, c'est nul de la bouse. Alors, ce que j'appelle la bouse, c'est de la. Oui, la terre, ça va. Elle est très étriquée ta maison. Là, c'est abri, genre vraiment en mode bam, on vient de pop dans un monde Minecraft et pour vite qu'on se fasse un petit truc de survie. Là, du coup, voilà la porte. Donc, elle fait la taille de 2 cubes, du coup. On est sur 50 x 100 cm. Oh là là là. Oh là là. Putain, c'est parfait. Je suis comme un gosse là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont. En fait, ça, mec, quand t'es un constructeur Minecraft, tu peux pas tout faire. Oh non, mais mec, c'est incroyable. C'est trop stylé, putain, c'est un putain de rendu. Et là, pour le moment, on est sur juste un abri, hein, pour que vous puissiez un peu voir le délire. Eh, mec, je me tire. Eh, Fanta et Bob, merci pour l'astuce. Hein. Eh, file-moi une torche, hein. Là, je suis trop à l'aise. C'est beaucoup trop bien, putain de sa mère. Je me sens si à l'aise, là. Là, du coup, le but, c'est de réussir à faire une maison avec tous les blocs, genre vraiment tous les blocs. Et le but, du coup, c'est vraiment d'incorporer, comme toutes les constructions maison que j'ai pu faire un peu, d'incorporer un peu des meubles pour vraiment que ça fasse une vraie maison, tu vois. Sauf que là, vu qu'on est directement dans le hangar, y a pas de stress de se dire, ouais, il faut vite ranger et tout, faut se dépêcher et tout, on est sur le parking Airbox. Pas du tout. Là, on a. Eh. Tu vois? Là, on a un lit. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a un lit ici. C'est mon lit que j'ai acheté pour chez moi de base. Sauf que j'avais pas la place de le faire livrer chez moi. Je l'ai fait livrer ici. Du coup, je l'ai construit ici pour la vidéo. On a pris une couette un peu en mode rouge pour que ça fasse vraiment lit Minecraft. Ah, mec, ça va ou quoi? C'est incroyable. Excuse-moi, je ferme la porte parce que des fois, il y a des mobs qui viennent donc. Je vais faire mes vidéos ici à partir de maintenant. On va faire tout ça. Une vraie maison, mon gaillard. Mec, il pète un plomb. Il faut pas qu'on embranche quelqu'un avec cet effet, parce que là, on est vraiment sur Excalibur. Hein. J'adore, en fait, il fallait un hangar depuis là, ça, je peux... Bon, lui, on va le remettre là-bas gentiment, ce bâtard. Non, gentiment, il a cru quoi, lui? Mais il a cru qu'on allait le remettre. On aurait dû mettre un gros timer en mode j'ai 30 minutes pour faire vite ma maison. Bah ça commence maintenant. Ah c'est pas une vanne là genre vraiment. Ouais. C'est parti. Ouais, mais mec. J'ai 30 minutes pour faire ma maison. Là par contre ça m'ajoute vraiment un stress en plus. On va la commencer genre ici, je pense qu'ici ça sera très bien. Regardez comme il est beau, on n'a pas le temps, j'ai une maison à construire. On a 4. Je mettrai la porte ici. C'est quand même un peu plus épuisant que dans Minecraft. Hein. Regardez les plans, je dois un petit sens. Enfin, je suis là. Là en gros, là c'est en espèce de trait comme ça. Il faut pas les mettre comme ça. Attends, mais ça me fume de voir ça. Je te jure que là je suis devant ça. En fait, j'ai vraiment besoin d'être mon perso dans Minecraft en mode. Genre là c'est 4 bases. Bah oui, après c'est que de la cobble là-bas. Que le cube secret. C'était un cube de diamant. Regardez-moi ça là. Mais tain, et en plus là c'est vraiment un vrai bloc de diamant déjà déjà fondu en fait. Ce cube de diamant là, finis-moi mon épée. Non, on le casse pas. Pour ceux qui connaissent pas trop Minecraft, ça c'est les différents minerais que tu peux avoir dans Minecraft. Donc là notamment c'est du diamant. De base tu le trouves sous la forme de pierre avec un peu de diamant dedans. Ensuite tu le fais fondre. Non, tu le casses directement les diamants mec. Écoutez les Minecraftiens là. Tu respectes le jeu. Non mec, je t'ai dit que la cobblestone c'est la plus dure des pierres. 24 minutes. Là ça fait 6 minutes que j'ai rien fait là. Ouais, parce qu'il y en a, ils disent vraiment ah putain, il fait des trucs pour enfants, machin et tout. Moi, ce que j'ai envie de leur répondre, c'est bah ouais. Elle va être gigante, les gigantesques, la maison. Ça part de cubes de cobble, s'il vous plaît. Putain, il y a mon four qui est là. Oh ouais, ils sont tous là, les bâtards. Ah, pas mal la grotte. Ah, mec, il y a des creepers là-bas au four, c'est chaud. Et là, le dernier. Et donc, du coup, là, il suffit à juste de terminer. Oh, mec, il y en a un juste là, je vais aller le chercher tout à l'heure. Le lit, faut que je le mette ici. Là. C'est fou, visuellement, là, quand je vois ça, c'est incroyable. Je me rappelle pas que dans ma classe, je faisais ça, moi. Ouais, pourquoi il rentre pas mon cube. Voilà. Merde. On commence à être pas mal. Ou pas juste les traits vers le bas. Ah putain. Ouais, ouais c'est son, là, c'est nickel. Je sais pas si ça fait exprès. Non, pas du tout. Je comprends pas comprendre la différence, je dis de tous les blocs. Mais tu l'as quand raté. Oh, attends, non. En vrai, c'est minime, boost parce que vous jouez à Minecraft. Moi, je suis pas sans avoir. Je me retrouve plus là, je peux plus rentrer chez moi là. Tu as rentré un nouveau style de maison dans ton palmarès de maison. Après cette vidéo là, je sais pas si vous avez encore des idées de maison à construire, mais. Arrêtez pas de savoir quoi là. C'est fou là, je suis trop à l'aise. C'est trop bien là. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, vous avez d'autres concepts avec les cubes, proposez-les moi vraiment parce que là, je vous jure que. Là, vu qu'on les a tout le temps, et surtout qu'ils ont coûté très cher, je le rappelle. Et notamment si vous voulez qu'on fasse d'autres cubes, je sais pas, parce que là, on a fait que certains cubes, d'en mettre une ici et une là. En dessous, juste en dessous là. Sinon, ça fera trop bizarre pour la porte. Allez, on continue. Allez, dépêche-toi. Oh, 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 oh.
putain sa mère. Ok super. Tu vas bientôt plus pouvoir filmer. Allez, on a plus le temps, les faut prendre 4 d'un coup. Non, ça va tomber. Comment ça, il est prend. Au moins que je mette la porte, si les zombies arrivent, je suis mort. C'est bon, je gère. Eh, hey, mais t'as pas mis de verre ici. T'as pas mis de verre. Oh non, mais là, c'est terminé, là, ça a sonné, là. Non, t'inquiète. Rentre vite, mets la porte. Incroyable. Oh putain, mec, c'est ouf. À l'intérieur de la maison, il est incroyable. Comment ça, il y a tout qui est mis là-bas. Mon coffre là. Avec ma pioche. Mec, je suis prêt pour aller piocher là. Moi, c'est bien maintenant, t'es protégé, je peux fignoler la maison. Mec, t'inquiète, j'arrive. Le seul mec qui part en taf avec cette porte. C'est n'importe quoi. Ah, c'est trop stylé sa mère. Ok, ça, c'est les côtés les moins touchés. Je suis en âge là, Ah, si on a une bâche, je fais tout haut là. On n'a pas. Ah, on a pas. Le seul truc, c'est. Non, bah non. Oh, 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 oh. Non, non, non. Ah ouais. Putain. Attends, on gratte, là, si je le mets comme ça, je trouve pas. Si, c'est bon, c'est bon. On est là, t'inquiète. Ah, ça va faire tout pile. Oh non. Tu l'as mal mis. Non, mais attends, mais ouais. Comment vous arrivez à voir que c'est bonbon? On est où, là? Hop. Oh, putain. Wow, alors ça, par contre, ça, c'est une chouille, ça. Wow. On va mettre les deux diables, ça. Quand même, le truc le plus stylé. Bah, tu vas mettre un diable chez toi et... Ouais, c'est ce que je me suis dit. Là, t'as bien raison, mon pote. Ah bon, ouais. Là il est cassé. Ok, voici maintenant, mesdames et messieurs, le dernier bloc. Je vais le poser maintenant. Ah, il y a quelque chose qui est en train de me dire qu'il faut que vous abonniez à la chaîne. Parce que sinon, sinon je peux pas. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, d'autres constructions comme ça, d'autres vidéos où... Ah, on a quand même bien taffé, hein, pour coller tous les trucs. Il y a eu pas mal de travail derrière. Franchement, en remerciement, si vous pouvez vous abonner, si vous avez envie de vous abonner surtout. Et bien écoutez, faites-le, mettez la cloche toutes les... Wow. Oh là 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 là, ça c'est le dernier bloc qui a été posé. Oh non, il est mauvais celui-là. Quoi? Oh non, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh, en plus il est tellement bien posé ce bâtard. C'est pas ma maison ça? Comment il est trop stylé là, putain, mais regardez-moi ça. Hey, on est pas dans Minecraft, hein, on est vraiment dans la vraie vie. Moi, par contre, je me tire. Non, mais calmez-vous, en fait, j'ai pas envie de vous voir. Non, les photos, c'est dehors, c'est autre part. Allez-y, là, alors, qu'est-ce que ça dit? On est trop bien dedans. Alors, les gars, la maison est peut-être pas 100% solide, mais en tout cas, propre. T'as pris la grosse tête, mec. Pourquoi tu dis ça? Tu dors à côté de ton mec, il se réveille, il fait, hey, chérie, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Le lit prend pas mal de place, mais même en mettant, bah, de toute façon, en fait, le bas, c'était de faire une petite maison Minecraft en abri. Après, si le concept vous a plu, et ben, à limite, on pourra le refaire avec d'autres cubes pour faire une encore plus grosse maison ou même pas forcément plus gros, mais si vous avez d'autres idées, d'autres petites maisons, parce que là, on est en train de faire ce tournage, mais comme d'hab, il y en a beaucoup après le tournage qui me disent, ah, t'aurais dû faire ça. Bah, écoutez, donnez-moi vos petits conseils dans les commentaires pour une prochaine grosse maison. J'aménagerai peut-être dedans. Ok, bon, je vous prends avec moi maintenant avec la petite cam pour vraiment vous montrer en profondeur un peu la maison. Et déjà, regardez comme elle est trop stylée, genre vraiment. En vrai, je prends cette cam parce que comme ça, au moins, on peut voir un peu la grandeur du truc. Mais regardez comme c'est trop stylé. Regardez comme en vrai, c'est trop propre, c'est trop cool. Mais regardez-moi ça, mais c'est fou, c'est trop bien, c'est trop stylé. On rentre. Oh là là, ce plan il est fou. C'est taille petit, mais on a pris les dimensions dans Minecraft. Hein. Regardez la petite cabane là. C'est trop stylé. On se croit vraiment dans Minecraft avec le coffre, le four, l'établi là. C'est fou, c'est trop stylé. Là, imaginez là si je refais une autre vidéo, mais en mode genre le soir et tout avec des petites lumière avec une télé ou quoi, ça peut être trop bien. Et bah écoutez, vous savez ce que vous avez à faire si jamais le concept vous a vraiment plu et tout. Je pense que oui, parce que vraiment là je suis comme un gosse, vraiment je trouve ça trop bien. En France personne ne l'avait fait et bah en fait ça fait longtemps que je voulais le faire vraiment. C'était Noxy, je sors par la porte de sortie et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.